Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la suite du mod. Et vous verrez, je vais créer un post parce que j'ai un souci. En gros, ils ont sorti un patch qui rajoute pas mal d'améliorations. Et le patch veut pas s'installer sur mon jeu, je sais pas pourquoi. Du coup là, bah, j'ai mis la version sans patch, comme d'habitude. Je mettrai un screen dans le truc communauté. Si quelqu'un peut m'aider, et là je télécharge les fichiers manuellement. Je vais tenter des trucs, écoutez. Qu'est-ce que je voulais dire? Si vous débarquez sur cette vidéo, je vous conseille de commencer par l'épisode 1. Je vais dire ça à chaque fois, hein. Et j'ai créé une playlist. Sinon, pour ceux qui suivent le mode depuis le début, bah GG Dragnir, hein, je suis trop bête, encore une fois. En fait, ils proposent les âmes de boss, en fait, j'avais pas vu. Donc j'aurais pu voir les armes qu'on me proposait, alors que je les ai déjà utilisées, enfin bref. Enfin, après je peux les voir, hein. Je dis de la merde, genre encore une fois. Je suis claqué. Je vous montre un peu les armes. Je me tâte à jouer avec... avec ça. Parce que le reste, ça me semble compliqué. Enfin, je sais pas. On verra, hein, du coup. Ça serait qu'il y a d'autres trucs, hein. Il y a des anneaux et tout ça. Ouais, je regarde un petit peu, les gars, je suis tellement crevé. Quand j'ai fait mon let's play découverte Rise of the Ronin, je l'ai fait à minuit et là depuis je dors 4 heures depuis 2 jours, c'est horrible. Ben bref, hein. Enfin, on va continuer, hein, du coup. Ah, et j'ai oublié de préciser, j'ai mis le petit truc en début, si vous voulez vous abonner, me soutenir, mettre un like. J'ai vu que vous étiez de plus en plus nombreux à mettre un like et en vrai c'est vraiment gentil de votre part. Sur ce, j'ai appris de nouveaux trucs que j'ai oublié de dire dans l'intro parce que je suis complètement claqué. Apparemment, il n'y a pas encore de grands fragments de titanite, c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Donc du coup, je me demande si c'est pas mieux de jouer avec des armes de boss, quoi. Hein. Enfin, à vérifier, vous me direz si l'info est correcte, hein, mais je pense qu'elle l'est. Et apparemment, oh, j'ai oublié le nombre, il y a 4 ou 5 cloches à sonner. Et elle est censée nous dire combien il en reste. J'avais essayé de lui parler, elle m'en parle pas du tout. Mais j'avais pas encore ouvert le dialogue avant de commencer à sonner les cloches. Du coup, j'espère que ça va pas me mettre dans la merde, mais là, je vais tester de lui reparler. Elle me dit la même chose. Elle me dit rien de spécial, en vrai. Ah, elle me dit rien de spécial. Bah écoutez, on va prier pour que ça se passe bien. Hein. Là, on a tout ouvert. On va aller dans la zone qui fait un peu forteresse de scène, là. Et à mon avis, en gros, sonnez toutes les cloches. Enfin, vous allez voir, ça ouvre la porte principale, je pense. Ce sera sûrement le combat final de la zone, mais c'est pas sûr. Hein. Genre, vous voyez, on arrive ici. Et là, il y a la grande porte. Et il y aurait pas des feux pour nous indiquer les cloches, non. Dommage qu'il n'y a pas un indicateur, un peu comme dans Elden Ring, là, avec des trucs qui s'allument pour savoir. Ouais, non. Mais à mon avis, c'est ça, hein. Et du coup, c'est droite ou gauche, je ne sais plus du tout. On va tenter la gauche. Puis on va voir. Hein. J'aurai plus de dégâts normalement que la première fois où je suis venu ici. Oh, elles sont trop chiantes. Et la stamina encore. Hein. Elle est pas morte? Ouais, ça consomme tellement stamina en vrai. Je kifferais jouer avec une arme de boss, hein. Normalement, je pense que c'est ici où on est... Oh, pff, oh ouais. C'est vraiment en mode forteresse de scène, mais j'adore ça. Hein. Forteresse de scène, c'est vraiment une de mes zones préférées avec Anor Londo. Mais ouais, là, je me prends tous les pièges. Et on avait raté un objet. Oh bah tiens. Il y a vraiment 1000 fragments de titanite ici. Hein. Wouah. Il y a toujours le petit coup... Enfin, il manque toujours la petite attaque en plus pour les tuer. C'est là... Est-ce que je peux... Non, ils y sont insensibles. Encore une dalle. Faut vraiment que je regarde bien les dalles. Hein. En gros, faut que je mette... Triple attaque, double lame.
Et un coup normal pour finir. J'ai l'impression que c'était déjà pareil à l'époque, hein, en fait. Quand j'étais déjà venu. Non, mais ça suffit pas. Et j'ai réactivé le piège. Elle est où? Oh, elle me rend parano, cette zone. Hein. Ça conduit où, ça, déjà? Ah bah non, c'est fermé. Bah, y'a qu'un chemin, en fait. Hein. Mais... là, je bug un peu. Je m'étais trop... C'était pas... Ah si, ok. Ok, ok. Et là, ça va être le truc avec toutes les haches tournoyantes, là. Vas-y, mais c'est trop oppressant. C'est horrible. Ok, on va prendre notre temps. Pas mal. Ouais, bof. Pas terrible, en fait. Les gars, j'ai pris l'autre chemin parce que je voulais vérifier hors stream. Et en fait, si vous vous souvenez, la dernière fois, j'ai couru comme un débile, je suis tombé dans le trou. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? J'avais pas vu le levier, en fait. Alors qu'il est vraiment mis en évidence. Du coup, ben, on tente l'autre direction, juste pour voir maintenant que je suis ici, en fait. Hein. Parce que ça m'intrigue, du coup, on a jamais été là. Ça conduit peut-être à une cloche, aussi. Oh! Bon, on va se battre, tant pis, hein, j'ai pas envie, mais... Trop costaud, eux. Non, ça va. Ça va, en vrai, faut jouer avec le sprint. Oh, mais il y a une cloche. Bah, la dernière, je crois qu'il y en a plus qu'une, maintenant. Ah, je sais pas. Mais je prie pour qu'il me fasse pas ressonner toutes les cloches. J'ai tellement pas envie, je vous jure. Et du coup, ça conduirait pas à cet endroit mystérieux. Oh. Ah, c'est stylé, n'empêche. Vous avez vu le panorama? Bon, c'est pas des graphismes... bon, voilà, c'est pas Elden Ring ou Demon's Souls Remake, mais... Le panorama est cool, hein. Bah, écoutez, normalement, il reste qu'une cloche, et j'imagine bah, que c'est l'autre chemin. Hein. L'autre chemin, on sonne une cloche, et à mon avis, ça ouvrira la grande porte. Priez avec moi pour qu'ils aient pas oublié, quand même, que j'ai sonné d'autres cloches. Ce serait dommage de tout recommencer, quand même. Surtout que c'est éparpillé aux quatre coins de la map... Ça serait con, quoi. Faut que j'arrive ce putain de passage en mode forteresse de scène, aussi. Bon, si je me fail, je vous remets le dernier fail, et après, je vous mets directement le passage où j'y arrive. Hein. Je suis pas très doué sur les trucs de plateforme, moi. Je me le suis pris. Pourtant, j'y ai pensé, hein. T'es où déjà? C'est là. J'espère qu'ils vont pas trop me faire chier. Waouh, la chance. Ah bah, elles me suivent. Bah merde. Ok. Elles se sont toutes suicidées. Putain, alors là, c'est vraiment gentil, ça. Ça me stresse, hein. Ça me fait penser à Hollow Knight aussi. Mais... Ok. En fait, je peux juste passer celle-là, je suis trop bête. Attendez. Bah oui. En fait, juste à passer ça. Et là, c'est la dernière ligne droite. On va attendre l'inclinaison là. Ok. Et dernière cloche, tout simplement. Alors là, bah, c'est moment de vérité. Hein. On va la sonner d'abord. Normalement, c'est bon, genre. Putain, je repense au patch. Oh! Un nécromancien m'attend.
Encore un petit panorama. Oh, c'est fait pour... Oh! Non. Viens, salaud. Reviens. Reviens! Pitié, reviens, arrête! Ok. Il y a un nécromancien qui nous attend quelque part. C'est peut-être au niveau de la grande porte. Ou alors, bah non, j'allais dire c'est la meuf du début, mais non, c'est une pyromancienne. Il y a encore un objet, genre. Putain, moi qui pensais avoir tout eu. Après, il y a le truc aussi, pour ceux qui suivent le mode, en hauteur, je savais pas comment y aller. On m'a dit de lancer un objet dessus. Je pense que je ferai ça hors stream, on va pas s'emmerder. Hein. On va tout de suite voir ce qui nous attend. Hein. Et je me tâte vraiment à jouer avec l'arme des anges, là, Gertrude, mes couilles, là. Je sais pas. Sauf si je trouve autre chose. Une petite arme force sympathique, genre. Aïe, 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 aïe. Alors? Ouah, ça serait trop logique que ce soit ici, genre. Ah. Nice. Ah, ok. Il a pas d'enchaînement. Je crois que j'ai pas la ref. Mais ça a l'air assez simpliste pour le moment. Ah, merde. C'est là-haut, ça. Wouah, faut vraiment s'éloigner direct, hein. Par contre, c'est trop bien, le feu de camp est juste à côté du boss. Je pense qu'il y a... Ah, bah là, il a fait un enchaînement. Merde. Je pense qu'il y a même pas besoin, le pattern tout lent. Je pense qu'il y a juste à courir autour de lui, genre. Ouais, alors. Vous avez vu? Mais sauf que maintenant, c'est en deux temps. En gros, faut tourner et roulade. S'il me le refait. Ah, il me le refait pas. Ça, c'est en un coup. Non. Et j'ai du mal à comprendre ce boss. Hein. Pas parce qu'au début, il faisait pas d'enchaînement. Mmh. Wow, merde. Bah forcément, c'est un nécromancien, en fait. Est-ce qu'ils réapparaissent, ces squelettes? Après, ils sont tanky, hein. Bah, peut-être pas... Ouais, je sais pas. Je trouve qu'il y en a à l'infini, hein. Ah, ça lui fait perdre de la vie. Donc ouais, faut se focus sur les squelettes. Il fait pas de dégâts par contre. Hein. Aïe. Oh, j'ai plus de stamina. Je parie que j'ai pas mis mes braises dans l'inventaire. Franchement, ah si. Je suis trop smart. Wow. Bah, c'est rien que je mette un boost, jamais je gagne. Wow, mais ces gens... Il est vénère, hein, quand même. Hein. Je me suis trompé. Ça, c'est en deux temps, on sait. Hein. Mais j'ai appuyé trop tard. C'est instantané. Et ben... En vrai, il est costaud, quand même. Hein. Écoutez, on va voir comment je m'en tire, mais franchement, il est fort, ce boss, hein. Ah écoutez, on va claquer un petit boost de foot, j'en ai plus que deux. J'aurais dû aller en acheter, j'avais 5000 âmes. Je
suis pas trop assuré, mais bon. À moins de prendre un os de retour, de toute façon. Oh, il abuse. Sérieux. Il m'a pas fait ça tout à l'heure, je crois. Il m'a pas fait ça tout à l'heure. Oh. Je suis obligé de braise en fait. Enfin, si je veux apprendre la P2, je dois braise. Hein. J'ai pas envie. J'ai pas le choix en fait, je crois. Dans la merde. Ah voilà. Braise inutile. Dégoûte ce combat un peu. Même si ça doit être stylé quand tu le maîtrises. On sent le manque de dégâts, quoi. Genre, mais comment je fais? Je comprends pas. On va voir, mais... Enfin, je comprendrai plus tard, mais... Vous avez vu ce combo? Regardez-le au revisionnage, genre. En fait, si c'était pris dedans une fois, c'est fini, je crois. Hein. Peut-être faut aller derrière lui, je sais pas du tout, hein. Ce combo là, faut vraiment être loin de lui, il fait trop peur ce combo. Ouais, je savais. Tellement bien, mais en même temps, la P2 est si dure que... Enfin, c'est clairement mon meilleur try, hein, pour le moment. Dire que Hangbo l'a fait ça en no-hit, du coup. Là, je suis en no-hit pour le moment, mais bon, on va pas le faire en no-hit, hein. Mais, enfin, c'est déjà incroyable que... prennent pas un hit P1, quoi. Enfin... Ouais, j'ai peur. Ouais. J'aurais du mal à faire un meilleur try que celui-là. Hein. Ouais. Peut-être croire en mes rêves, l'expression que je dis, quoi. En mode, j'ai une braise, une dernière, je crois. Bah, j'ai un dernier boost de foudre. Une braise, je sais pas combien j'en ai. Il en reste un. Oh non. Voilà, bon, c'est fait hit, normal, mais... Ce serait bien qu'on meure pas, quoi. On va se soigner, j'ai beaucoup de potions, mais... Il y a son combo de l'enfer, là, en P2. Oh. C'est tellement un chien. Après, bien joué à lui. En vrai, il joue bien. Hein. C'est pas... Il joue bien, on se comprend. Bref. Enfin, je peux même pas attaquer le deuxième squelette, en fait. Ouais. Il a des résistances de malade. Parce que j'ai pas tué le dernier squelette et que j'y arrive pas, en fait. En fait, ouais, il a des dégâts réduits, je crois, quand il y a les squelettes. Ah, voilà, hein, deux potions.
Franchement. Il a fait le combo de fou, peut-être qu'il leur fera plus. Kale le fait tout le temps. Et vu que je sais pas le gérer. Non, ça c'est un très bon pattern ça. Dommage. Mais même derrière lui, ça marche pas. Hein. En fait, c'est auto-win. S'il fait ça, c'est auto-win pour lui. Hein. Je pense que j'arriverai jamais à faire mieux que ce try, hein, honnêtement. Bah, en fait, faudrait que je comprenne comment réagir à son combo. Hein. Je sais pas comment réagir à son combo. T'sais, on va voir ça. Hein. Mais... Je sais pas, genre de tête, je réfléchis de tête comme ça, derrière lui ça marche pas. Putain, faut peut-être juste se barrer, hein, une grosse roulade arrière en sprintant un peu avant, je sais pas. La chatte. Vous pouvez le dire là. Non! Allez, on grid. On peut pas. On peut pas grid. Oui! Putain, quel try dégueulasse! Je suis dégoûté. Franchement, ça sera la vengeance en SL1, les gars. Je vais faire... vraiment, SL1, c'est sûr que je le ferai sur ce mode.
Je vais peut-être attendre la version définitive, je sais pas. Je pense que je ferai la SL1 sur ce mode. Hein. Parce que franchement, je suis pas content de mon combat là. Hein. Ça s'ouvre pas la porte du coup. Putain, c'est tellement joué à rien, c'était tellement combat ultra serré. Je pense que c'est le combat peut-être le plus dur que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai du mal à dire. Ça m'étonne que la porte s'ouvre pas par contre. Hein. S'il y a une subtilité qui m'échappe, n'hésitez pas à me le dire. Et ça me fait penser qu'on a aussi raté la clé pour libérer le PNJ dans la cathédrale des profondeurs si quelqu'un a une piste. Hein. Et je sais pas. Je vois pas trop ce que je peux faire de plus là. Hein. Je vais aller parler dans le doute au premier PNJ pour voir si elle me donne une clé pour la porte. Je pense pas. Hein. Ça m'étonne, ça m'intrigue cette porte fermée en fait. Oh, vraiment pas dingo ce try. Hein. Mais c'est la victoire qui compte. Ah, elle me dit rien de plus. Hein. Oh non! Ah, ça va. Alors là, on va au Nexus. Et je vais voir si... J'ai même pas fait gaffe, hein, tellement que j'étais focus et stressé. Si j'ai eu son âme ou pas, si j'ai eu une âme, voir si on a débloqué un nouveau truc. Ici. Oh, oh! 25 en dex, ça fait chier. Oh, ça dégoûte ça en vrai. Ça peut être une arme pour moi, ça. Elle a l'air cool en vrai. Ah, je suis un peu déçu là. Fera 25 en dex. J'ai combien de dex? J'ai. J'ai 15. Ouais, il me faut beaucoup, faut 10 niveaux quoi. Et celle-là, il me faut 5 niveaux. À mettre en foi. Écoutez, je vais prendre l'arme là, mais j'aurais préféré l'autre. Je suis un peu deg, mais bon. Est-ce que je peux la renforcer? Déjà pour voir ce que ça donne en vrai. Ok. Il me manque 2 titanite scale. Ah, fait chier. Vous savez quoi? En vrai, on est baisé. C'est pas grave. On va spammer nos âmes. On va prier pour avoir assez. On va utiliser celle d'Aldrich. C'est certain que ça me servira, mais j'aurai jamais assez pour monter de niveau. Pas à ce point, quoi. Non, merde. Fois. Ok, il me manque combien de fois déjà? Combien il me manque de fois déjà? Faut 15. Oh, 5 deux fois, ça me paraît chaud quand même. Hein. Franchement, allez. Ça, je vais sûrement le regretter, hein, mais bon. Ah, je garde quand même l'âme du nécromancien au cas où, mais je pense pas que je pourrais m'en servir. J'aimerais bien garder celle du nécromancien parce que son arme a l'air trop bien en fait. Juste celle du nécromancien. Ah, ça, je pense pas que ça passe, je sais pas. Oh, quoique. Ok, avec un tout petit peu d'âme peut-être? Avec ça, genre? Oui, tout pile. Bah, je vais peut-être le regretter, mais bon. On verra. Hein. Parce que je trouve que j'ai vraiment zéro dégâts, quoi. Ah, je sais pas si je vais aimer ça. Hein. Le bouclier, il me sert à rien en plus. Ça fait quoi si je mets écusson végétal en deux? Ça marchera pas, mais. Ah, si. Ah, ça marche. Ça fait un peu. C'est un peu de trop, quoi, mais. Comment on pourrait faire? Faut que je sois en dessous 70. Je vais faire des trucs à la con, genre. Ok. Ok, bah j'ai zéro résistance, quoi.
On peut optimiser mieux, mais c'est quoi, on va rester comme ça en vrai. Oh! Dans tous les cas, je l'ai une main. C'est quoi le... Ah, ça a l'air stylé. Bah écoutez, j'espère qu'on va pas le regretter. Hein. Et là, on est parti pour la tour de flamme. On va voir ce que ça donne. Hein. Les gars, je sais pas vous, mais personnellement, ça me perturbe de voir deux boucliers. Mais bon, bah après, on est un peu stylé quand même. On dirait un assassin, mais avec une armure lourde. Encore un très joli panorama, je vous le remontre, pour ceux qui n'avaient pas vu. Hein. Panorama vraiment stylé dans le jeu. Hein. Du coup, j'étais juste venu chercher ce feu de camp. En gros, vous avez... Ben... Où est-ce qu'on pop? Mais... On pop là-bas? Attendez, je bug, là. Bah non. Enfin, écoutez, bref. J'ai fait juste le chemin jusqu'ici. C'est exactement le même que dans Dark Souls 2. Et ensuite, on ira dans l'autre sens. Normalement, c'est ici qu'il y a Einstein dans Dark Souls 2. Là, on va faire l'autre boss qui... J'avais essayé une fois, mais je faisais du moins 40, donc... Du coup, je sais pas. Ok, mec. Bon, j'aimerais bien voir les dégâts que j'ai, mais... C'est pas Einstein, lui aussi. Mais mon arme fait aucun dégât, par contre. Hein. Vraiment? Mec, mais... Mais calme-toi. C'est de la merde. C'est de la pure merde. Bon, écoutez, on n'a pas pu vraiment se rendre compte, mais 154... C'est malaisant un peu, hein. C'est vraiment malaisant, là, pour le coup. Je peux pas la porter à deux mains si j'enlève les cuissons végétales, genre. Il peut pas la prendre à deux mains. Non, il veut pas, hein. Je comprends pas. À quoi ça sert, du coup? Je sais pas, l'arme a l'air trop nulle, genre. Je sais pas. Bon, écoute, on va refaire un test, hein, mais ça a vraiment l'air d'être de la merde. Hein. Peut-être que le weapon art est fort, mais par contre, lui, il te laisse pas respirer. C'est quoi cette merde? Ah, ça a pas marché. Est-ce que j'ai envie de le faire maintenant, lui, en vrai? En plus, il met des parades, le bâtard. C'est dur de le hit, hein. Ah, je me suis dit, peut-être timing d'attaque puissante. Je voulais tester le weapon art, mais j'y arrive pas en fait, parce que j'ai l'écusson végétal. En fait, je pense que l'intérêt de l'arme, c'est son weapon art en fait, c'est juste ça. Peut-être c'est un ennemi qui se backstab, hein. Non. Je pense pas. J'étais pas mal en termes de placement pour le backstab là, mais... Son arme a l'air trop bien. Avec le petit saignement et tout là. Va bien jouer, mec. On va faire un test avec l'arme normale, genre. En plus, on sera plus tanky. Bah, ça me déprime un peu. Après, j'ai toujours... Si quelqu'un sait comment réinitialiser les niveaux dans le mode, ce serait incroyable. Ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Si c'est le cas, je jouerai avec l'arme du nécromancien, mais j'ai pas assez de Titanite Scale, du coup. Bah, double épée large, hein, du coup. Hein. Enfin, j'ai du mal à imaginer que ce soit pire, en fait. Je vois pas comment ça peut être plus nul que ça.
J'ai pas un truc de le... Ok. Et en anneau, j'ai rien de mieux. Hein. Ah, j'ai rien de mieux. Ouais, écoutez, let's go. Hein. On va voir la différence. En gros, je tape du 150 avec l'épée. Bon, je tape plus fort. De pas beaucoup, mais. Bref, on peut peut-être le parer. Hein. Ah ouais, dans tous les cas, il prend pas de dégâts, lui. Hein. Il a beaucoup de portée. Hein. Après, je lui brise sa posture. Hein. En vrai, s'il a pas une P2 de malade mental, il est pas aussi fort que l'autre. Hein. Oh merde, j'ai pas eu le réflexe. Alors, on peut un peu... pas mal lui cancel sa posture. C'est un ninja, hein. Oh non. Ok, ouais, bon. Regardez comment il court. comment il veut ma peau. Oh là là, ok, ouais. Ok. Réfléchissons. Est-ce que j'ai vraiment les dégâts? Mais après, il n'y a pas de grand fragment de titanite. En fait, mon... j'ai un problème d'armes, j'ai un problème de dégâts dans ce jeu, en fait. Est-ce qu'on peut le parer? Après, il faut les timings de parade, c'est encore autre chose, ça. Hein. C'est difficile à dire, en vrai. Je vais tester un peu au pif, les parades. Non, mais ça, on peut pas, évidemment. Ah, c'est un coup de pied. Après, non, j'ai pas les bons timings. Après, il est tellement imprévisible, ça part trop vite, genre. Oh! Ok, on peut, mais est-ce que c'est vraiment worse au vu de la difficulté? Par contre, je trouvais que mon timing était pas dégueu là. En vrai, tu peux le faire aux parades, mais bon, pour taper du 300, je sais pas, hein. Pas dingue quoi. Après, si j'apprends sa P2, j'avoue, elle fait peur un peu. Mais je sais pas, la P1 en vrai, ça a l'air un peu. Un problème, c'est qu'on n'a pas de dégâts en fait, c'est juste ça. Hein. En vrai, si on ferait des dégâts, je pense pas que le combat soit si dur. Hein. Je vous emmène avec moi, on va faire des tests d'armes, les gars. Je sais pas, peut-être je devrais vous cut en vrai, mais bon. Si vous, en gros, si vous êtes jusqu'à là dans cette vidéo, c'est que vous êtes des fidèles. Donc je pense que ça vous gênera pas trop. Je vais tester des armes. C'était quoi déjà? C'était ça, non?
Il y a une arme qui me faisait de l'œil, c'était laquelle? Ah, c'était celle-là. J'ai pas d'arme du coup. C'est embêtant. Je crois que j'ai vraiment plus rien en fait. Ah, j'ai ça. Oh bah nice. Sérieusement? Vraiment, il me manque encore ça? Fuck son arme. C'est bon, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, désolé. De toute façon, on refera des runs, et c'est là, c'est qu'une démo. Hop. On va arrêter de m'embêter un peu. On a quoi en infusion? On a brut, feu, ténèbres. On a ça aussi. Ça m'a l'air worse en vrai de faire ça. Hein. Dommage, j'ai pas deux gemmes de feu en fait. Est-ce qu'on joue? Ah, c'est peut-être du troll. Non, vas-y, c'est bon. On va rester comme ça. On va monter. Je sais même pas quoi monter là en vrai. Pour en monter la force, on s'en bat les couilles. On va finir le jeu comme ça de toute façon. Hein. Bon, je m'en fous. Je fais des tests. Hop. Mila, on achète un boost et puis let's go. Ouais, je fais un peu nimp, mais dites-vous que c'est une démo, on s'en fout. Je sais que Dragnir il va péter un plomb en voyant ça, mais. Oh! Ah non, j'ai mal vu. Ah si, c'est ça que je voulais. Ok. Ah, j'ai des boosts de saignement. Bon, écoutez, on va voir, hein, on va faire différents tests. Ça, j'ai mal à la tête, c'est un délire. C'est le manque de sommeil, ça. J'ai vraiment mal à la tête, là. Écran, manque de sommeil et tout. Est-ce qu'il est sensible au saignement? En vrai, on va vraiment être en limite testing, là. Ah, ça l'a pas mis. Ah, on peut pas. Mais pourquoi on peut pas? Ah oui, ça fait des dégâts magiques, ça, c'est vrai. Ok. Bon, on va voir, hein. Pff. Ouais. Pas dingue, hein. Ouais, bon, je me laisse mourir. C'est de la merde. Bon, écoutez, je suis complètement épuisé. Vraiment, le boss me fait mal à la tête en plus. Enfin, j'ai déjà mal à la tête. Mais il bouge tellement dans tous les sens que c'est encore pire. Donc du coup, je pense que ce sera un épisode court, quoi.
Comparé à d'habitude et les autres jours, ce sera plus dans les 1h30, quoi. Mais là, compliqué, hein. Je suis trop claqué. J'ai pas la force d'apprendre double boss pattern aussi long, des combats longs comme ça. Je pourrais même continuer, mais même continuer, je suis fatigué en vrai. Je pourrais faire l'autre côté de la zone, j'ai pas été. Bon, on va s'arrêter sur ce try, hein. Je fais un peu plus mal, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est dans ma tête. Oh, sérieux. Non, mais ça se fait. Avec... Et dommage, j'ai pas double épée large de feu, en fait, c'est pas mal. J'ai l'impression que c'est juste l'épée large de feu qui me rajoute des dégâts, vous avez vu? Enfin, en vrai, ça va, hein. En fait, il me faudrait double infusion, quoi. Et après, j'apprends le combat, tranquille, quoi. C'est tout. Ah, je dash trop tôt. Il fait mal au crâne, genre, vraiment, hein. Il s'arrête tellement jamais, wow. Ah, j'ai pas eu le réflexe. Oh non, on reverra même pas la P2, mais en vrai, en apprenant, tranquille, je pense qu'on le bat demain. Hein. On le bat demain, si jamais quelqu'un sait où je peux trouver une gemme de feu. Mais après, après j'ai d'autres armes de secours. Hein. En tous les cas, c'est la démo, faut qu'on teste plein de trucs pour la démo, en fait, c'est juste ça. S'il y a des armes broken, n'hésitez pas à me le dire avec les stats que j'ai. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et putain, je suis vraiment KO. J'ai envie de dormir maintenant, mais il est 16h et quelques et je peux pas, je dois attendre le soir. Sinon, je vais être décalé. Bah écoutez, sûrement à demain pour la suite, et désolé, c'était un peu plus court que d'habitude. Et passez une bonne soirée, tout simplement.